Limoges qui a remporté ses trois derniers matchs à Rouen. Et Boutchélé, encore en échec à l'intérieur, mais il y a Bruno Caboclo. Lampé qui a fait son entrée, le pivot polonais, prolongé jusqu'en fin de saison. Et Smith qui va saisir ce shoot ouvert pour ramener Limoges. Nicolas Lang qui a 31 ans depuis le 1er mai. Ivanidzi, il est 93, moi je l'ai connu, il était gamin. Ivanidzi qui a pas mal parlé après la victoire face à Cholet en conférence de presse. Ouais, il était du Limousin. Et d'ailleurs c'est culturel chez eux, ils aiment bien avoir des petits rêves, je encore là, vous avez vu. Avec Ivanidzi à 3 points, la fiabilité. Excellente entame limougeaude dans ce deuxième carton avec un nouveau shoot ouvert pour Philippe Scrub avec ce shoot, cette mécanique de shoot si particulière mais qui fonctionne. Il fait un chantier. Et 5 rebonds déjà. Regardez comme il joue. Mais comme il joue dans bien un fauteuil. Ah oui, c'est trop bien. Au buzzer. Ça c'est interdit face à cette équipe de Limoges et qui va prendre ce shoot ligne de fond. C'est raté. La bonne défense de Timothée Cruzol. Il va servir Nicolas Lang en contre-attaque, le panier avec la faute. Un tir, voilà. Sur un tir d'un droitier, alors qu'il faut faire un stop ou deux là. Il en a le profil. Ça trappe, bien vite Steve, parfait. Speedy Smith depuis la ligne des lancers, c'est propre. Mais il joue trop bien Limoges. Beyhurst avec Nicolas Lang. Bon, comme il défend Artis, mais c'est pas possible encore, sur le Cazout. Génial avec Ivanidzi, le shoot ligne de fond, oh, au buzzer. Là, ça c'est Ivanidzi, tout craché. Et ils reprennent. Lampé qui repasse par Guignard. Et on va trouver Nicolas Lang encore en bout de système à 3 points. Là, mais le jeu, c'est surtout pas l'empêcher de pénétrer. Il tire pas à distance. Enfin, il peut tirer, mais son jeu, c'est de driver. Lampé. Regardez le faire, lui. Voilà. Avec Boutchélé, le dunk.